avec de belles brassières bleues pour se protéger les biceps. Voici donc le Français Dimitri Karbanenko qui s'attaque aux barres parallèles après avoir réussi un fameux saut. Pour rester dans la course des médailles. Salto arrière, bras tendu en entrée. Allez, salto arrière, bras tendu en entrée. C'est bien, c'est parfait, changement. Il travaille sur une barre, oh bien, mais qu'est-ce qu'il est bon, ce Karbanenko, depuis qu'il est français. À la double avant dans les barres, la protection était particulièrement pour cet exercice. Salto au-dessus et double carpé en sortie. Oh, qu'est-ce qu'il nous réserve, Dimitri Karbanenko. Voilà encore un bel exercice. Pour l'instant, la compétition est très très bien partie pour Dimitri. Voilà Marc Touchet, l'entraîneur national qui a succédé à Jean-Louis Bourbon. Voilà, on revoit ici le double arrière dans les barres. Donc la première acrobatie au-dessus. Vous voyez, la protection est fort utile à ce moment-là de la réception. Et je peux vous dire que dans le camp de la Russie, on regarde avec intérêt l'évolution de Karbanenko parce qu'on le regrette déjà. Karbanenko qui obtient la note de 9,20. 9,20 au barre parallèle. Exécution quasi parfaite.